Alors, tuto vidéo pour vous montrer comment vérifier que la photo que vous faites avec votre téléphone, votre smartphone, est bien géolocalisée. Donc là, moi j'ai mon téléphone. J'ai deux trucs à vérifier, c'est que le GPS est bien allumé, c'est le cas maintenant, et que lorsque je prendrai une photo, donc là je viens de lancer mon appareil photo, que dans les paramètres de mon appareil photo, il y ait bien info localisation GPS. Pour certains, c'était tag localisation, c'était localisation, c'était géolocalisation, c'était enfin voilà. Ça tourne autour de la localisation. Donc là, je vais faire précédent. Là, si je me déplace et si je fais une photo, non, je ne fais pas de délation. Donc si je fais une photo de ce superbe rideau, de cette superbe poignée, hop, tac. Voici ma poignée. Si j'ouvre cette image avec ma galerie, je vois ma belle poignée. Et si je vais dans les paramètres ou le détail, si je vais dans détail, troisième ligne, j'ai un lieu, Pays de la Loire, j'ai des choses comme ça. Donc j'ai une adresse, j'ai un lieu fermé. Et sinon, je peux aussi, puisqu'elle est géolocalisée, affichée sur la carte, et là il me télécharge une application, donc par défaut c'est Google Maps, et il me propose le 47,25 et le moins 1,64, ça c'est les coordonnées, latitude, longitude du point où la photo a été prise. Et si je zoome, je me dis qu'il s'est pas trop mal débrouillé avec son GPS. À première vue, il a mieux localisé ma photo que ma position présumée actuelle. Donc précision de votre GPS, oui, 10 mètres par là. Donc je vais fermer et je vais continuer toujours dans la même vidéo en vous montrant donc ce que ferait mon smartphone si je localise pas. Donc moi je m'en vais retourner dans mes paramètres, désactiver la localisation, pof, et puis concernant mon GPS, je vais même lui dire pas de GPS, toc. Donc là, si je prends une photo n'importe laquelle, hop, il vient de la prendre.